Si vous avancez, je saute. C'est Pauline, c'est ça? Vous savez très bien. Sois raisonnable, Pauline. J'irai pas en prison. C'est toi qui l'as frappée? C'était pour pas se faire prendre. Je voulais jamais la tuer, la grand-mère. Allez, viens. Et si tu te fous de ma gueule, c'est pour mon bien. Putain, mais c'est quoi, oui, histoire de gamin, là? Et après, Boudou? Pardon, faut déranger. On vous a dit? Que t'as réceptionné une seconde livraison de Barbac? On peut dire ça comme ça. De toute façon, Courtois travaille sur une autre affaire. Affaire Ancelin? Lisville qui joue à touche-pipi? Toi, tu restes assis. T'es le fils enceint, ça? T'as pas compris que tu dérangeais? Tu t'assieds pas? J'ai eu la banque au téléphone? Je suis au courant, merci. C'est quoi cette histoire de stock invendu? On parle franchement? Mon avocat n'est pas là. C'est le résidu d'une histoire d'amour qui a mal tourné. Très mal, apparemment. Un trou de 227 000 euros. Elle était belle, au moins. Tu peux pas savoir. Marc, qu'est-ce que tu peux être naïf? Pour le découvert, tu dois pas t'inquiéter. Tu me cèdes tes parts comme convenu et le reste ne te concerne plus. Non, c'est trop tard, Marc. J'en ai parlé à Luc, tu sais ce qu'il m'a dit. Je veux pas que tu traînes de vieilles casseroles, chérie. C'est texto son expression. Il va liquider la boutique. T'es plus gérant, je t'ai viré. Je suis venue pour te le dire. Belle attention. C'est mon cadeau d'adieu. Tu devrais être content. Tu vas pouvoir repartir à zéro, c'est ce que tu voulais, non? Super. Je t'amène Maud. Demain, 17h. J'espère que tu feras plus d'histoire pour la Floride. J'ai pas envie de la mêler plus que ça à notre naufrage. Tu m'embrasses plus? Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Je sais pas. Tu sais, même si ton jackpot avait bien fonctionné, ça n'aurait pas marché. T'avais plus de rêve à me faire partager. C'est lui qui me fait rêver.